dis-moi, hein? Elles sont où ces vidéos, bordel? Nous, on attend là! On attend là-haut! Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Oh, salut YouTube! Ça faisait un petit moment, du coup, que je vous avais pas vu. Alors, vous m'avez envoyé quand même pas mal de messages pour savoir ce que je faisais. Bon, voilà. Oh, Guimoy, tes vidéos, t'en fais quoi et tout? T'en fais plus, machin, bidule. Les gars, j'avais plein de trucs à faire. Alors, du coup, effectivement, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, je vous fais celle-ci, là, vite fait. Manière de vous tenir informé de ce qui m'est arrivé un petit peu. Donc en gros, ma mère est décédée, il a fallu que je traite plein de papiers chez le notaire et tout le bordel. Voilà, un bordel monstrueux. Et de plus, du coup, j'ai fait des travaux chez moi. Alors j'ai changé le parquet, d'accord. Enfin, j'ai remplacé le carrelage par du parquet. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Ta gueule le chat, hop, là j'ai mis des dalles PVC dans la cuisine, je suis allé jusque dans le couloir, après j'ai fait la salle de bain, les toilettes, il me reste toutes les plaintes à poser, enfin bon bref, un bordel, voilà, surtout en sachant que j'habite dans l'appart, hein. Donc je vous dis que c'est pas forcément simple. J'ai aussi donc changé ma voiture aussi, hein. Donc j'ai pris une jolie Peugeot 308. Voilà, THP, 155 chevaux, de dingue. Je vous montre l'intérieur un petit peu. Hop. Donc, Alcantara, toit panoramique. Voilà, pour remplacer l'Audi que ma copine a cartonné en fait. Elle s'est faite cartonner. Et du coup, l'Audi est partie épave, donc c'est pareil. Toujours, écoutez, des papiers, et donc du coup forcément, pas le temps pour faire les vidéos quoi. De plus, il y a eu le second confinement. Désolé, en fait, vous me suivez sa vlog aujourd'hui, sa vlog. Dans tous les cas, j'ai pas oublié de me raser à l'ancienne, d'accord, toujours blaireau Simpson et petit vire-capot de Madame Bulle, un vieux savon, du coup qui n'est plus disponible, mais moi j'en profite parce que du coup je m'étais acheté la petite recharge que j'ai mis dans un pot métallique, voilà. Et donc ouais, j'étais super occupé de dingue. Donc là, je me rase parce que j'avais une barbe de dingue. Et du coup, j'en profite pour continuer ce petit vlog bizarre avec moi. Voilà. Donc aussi, voilà, suite à tous les messages que j'ai eus, j'ai regardé aussi les commentaires un petit peu sur la chaîne parce que ça faisait un moment que j'avais pas regardé. Oh là 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 là. Voilà, bon après, en dehors des commentaires cool et sympas de mes abonnés qui m'aiment bien, les autres du style « Oui, je suis affûteur pro, machin. » Pourquoi tu regardes ma chaîne? Voilà, regarde pas ma chaîne si t'es affûteur pro, vas-y, fais ton job et puis voilà. Je vois pas pourquoi tu viendrais critiquer les trucs que je fais, parce que bon, pour moi, je trouve que quand même la critique est relativement facile, surtout derrière un écran. Voilà, petite dédicace, hein. Voilà, tu te reconnaîtras certainement. Non, je t'en veux pas, mais voilà, si t'as des choses à dire, je sais pas, garde-les pour toi. Voilà, moi bon, les affûteurs pro, écoute. C'est pas... On a tous des choses à apprendre tout le temps, toute la vie, et ça n'en finira jamais. Et du coup, on peut aussi se tromper, dire des conneries, c'est humain, hein. Voilà. Je pense que j'en dis pas trop dans mes vidéos, seulement, du coup, si t'as des requêtes, hein, écoute, voilà, change de chaîne, voilà, moi je vais pas modifier mon contenu, rien que pour toi.
Donc voilà. Merci, à bon entendeur. Je passe ce sujet. Sent toujours aussi bon ce petit savon. Donc j'avais fait, vous avez pu voir sur la chaîne de Cyril, on avait fait un rasage nature dans les Pyrénées. J'ai même pas eu le temps de monter la vidéo. Voilà, je fais trop de choses là en ce moment. Pas le temps de monter la vidéo. J'ai les rushs, j'ai tous les rushs que j'ai failli perdre, hein, Cyril. Voilà. Là aussi, ça s'était passé très très bien avec Cyril. Et à la redescente de la montagne, bah, je me suis embrouillé un petit peu avec ma copine. C'est pareil, ça a rajouté encore du truc. Et voilà, du coup, en fait, l'algorithme YouTube, à mon avis, il va pas kiffer que du coup je sorte plus mes vidéos par semaine. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi maintenant, je vous sortirai une vidéo quand je pourrai. Et voilà, et les sujets, on verra, mais ils seront certainement différents. Enfin, différents, je veux dire. Je vais essayer de compléter la chaîne avec des sujets que je n'aurais pas encore traités pour essayer pour faire en sorte que vous ayez une chaîne complète avec pas mal de trucs sur les coupe-choux, parce que bien entendu tout le monde m'a dit oui, c'est une niche ta chaîne, c'est dommage, tu fais des super montages vidéo machin et tout, on adore te voir en vidéo. Il est fort possible que je clôture cette chaîne là et que j'en ouvre une autre en faisant autre chose. Peut-être pas sur le rasage à proprement parler, je sais pas encore, j'y réfléchis. Mais bon, déjà, terminer cette chaîne en ayant un contenu qui peut être utile vraiment pour tout type de personnes, que ce soit les plus avancés et les novices. Donc forcément, les plus avancés, vos commentaires, si c'est pour me dire « Oui, tu fais ça mal, tu fais ça mal, tu fais ça mal », stop, non, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir des commentaires comme ça. Et au pire, si vous me gavez trop, je vais filtrer, quoi. Parce que forcément, on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Et voilà, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que soi. Ça, c'est logique. N'hésitez surtout pas à aller acheter les coupe-choux Fislad en 5-8. Franchement, pour démarrer, je pense que ce sont des très très bons coupe-choux de Marc Thierry Sarr. Alors je vais vous mettre le lien dans la description, pim. Allez les acheter. Si vous n'avez pas de coupe-chou, si vous voulez débuter ou quoi que ce soit, un petit Thierry Sarfislad qui lui-même aura repassé au cuir pour l'adoucir encore plus. En plus, c'est pas un cuir de merde, c'est un bon cuir japonais. N'hésitez vraiment pas à y aller. Je voulais remercier Alice Blade. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, je vais me raser avec son coupe-coupe. Parce que du coup, il m'a répondu à la vidéo et il m'a même proposé d'enlever la petite tache que j'avais là. Donc, je lui ai mis un petit pouce en l'air et un like. Et je lui ai pas répondu encore, mais peut-être que éventuellement, ça m'intéresserait de virer ma petite tache sur la lame. Donc voilà, s'il peut me le faire, je pense que ça pourrait le faire. Je verrai avec lui, on verra si je suis motivé et si j'ai le temps. Voilà. Ouais, petite finition. Ouais. Ouais, très bon rasage, voilà. Impeccable. Donc écoutez, ce petit vlog là, il était. Voilà, ça m'a pris et je me suis dit, j'ai un peu de temps. On m'avait quand même accompagné dans le truc, quoi. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je me suis dit, il faut quand même que je les tienne informés. Voilà. Donc, écoutez. Voilà, moi, je continue ma life. Je vous ferai quelques autres vidéos. J'essaierai de finir le montage de rasage sauvage en montagne avec Cyril. Je pense que je vous ferai une autre vidéo désinfection avec ma petite poudre bleue. Alors je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Bon bref, j'ai acheté une petite poudre bleue qui est assez sympa. Voilà.
et que je vous ferai deux autres trucs peut-être. J'avais prévu pas mal d'autres choses, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Et en plus, voilà, il me faudrait carrément un atelier. Vu que j'ai pas d'atelier, que je fais tout dans l'appart. Là maintenant, ça devient chaud. Je ferai certainement d'autres trucs quand j'aurai un atelier. Si un jour j'ai un atelier, je continuerai là-dessus. Désolé, mais les finitions, voilà, ça prend du temps. Bah, je crois que je suis pas mal là. J'ai 2-3 poils qui dépassent, mais on s'en fout. Hop. Bon, du coup, pour conclure, petite binouze. Donc, ouais, là, je me suis tenté sur une Corona. D'habitude, je suis chez les Belges. Mais là, j'ai voulu changer. C'est pas la meilleure binouze, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai pas abandonné, je suis toujours là, mon contenu est toujours dispo sur YouTube. Je vous, du coup, comme je vous ai dit, hein, je continuerai à vous faire une ou deux vidéos, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, mais ça sera plus une vidéo par semaine, ça sera une vidéo quand j'aurai le temps. Du coup, écoutez, toujours... Restez toujours bien affûté, hein. Et du coup, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à plus. Allez, ciao !